Bonjour à tous, c'est Teddy Fighter, on se retrouve sur la princesse pour l'épisode 45 cette fois-ci, je crois, je ne suis pas encore sûr, j'en fiche un peu. Oui, 45, 43, oh putain, 45, on va dire 45, allez hop, voilà, donc 45, ça se trouve, je suis encore trop doué parce que... Ok, ah bah on va faire gaffe hein. Ok. Donc oui, donc je suis pas sûr déjà en plus ces deux derniers épisodes. J'étais allé en 5 trop vite quoi, c'est. J'ai oublié. Alors. Malheureusement, on peut pas les battre en humain. Vous avez vu comme moi, 5 ? Il en reste 3. J'en ai buté encore un. Celui-là. Voilà. Et là, on va se transformer en loup pour... Oh non, j'ai une idée. Yes! Combo. J'ai réussi à buter les deux. Nickel. Donc en humain, en fait, c'est possible. Ça doit être un petit peu plus dur, mais c'est possible. Cœur. Alors j'en vois qu'il y en a même monté par par le machin. Ah, on monte sur le serpent. Bonjour madame. Au revoir madame. Oh, pile dedans. Ah oui, et on redanse. Oh, t'es trop lourd, Link. Je crois qu'elle s'enfonçait. Bah si, t'es trop lourd. Ah là, t'as pris du poids, hein. Pas bien, Link. Fais attention à ta ligne. Ah, d'accord, rien qu'avec ça, ça fait lever les tours pour faire lever ça. Un truc enchaîné, alors apparemment qu'il ne faut pas enlever. Et un truc de je sais pas quoi. Un morceau de la zone. Ça va être génial là. Ah, donc c'est le miroir des ombres, sauf qu'il est cassé. Dans les ombres réside un pouvoir malfaisant, répandant partout les ténèbres. Ô être élu, qui porte le signe des déesses, le destin guide tes pas, écoute mes paroles. Nous, sages, veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres, ainsi que les déesses nous l'ont ordonné. Ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une magie, par une effrayante magie et ses fragments éparpillés. Cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'il contrôle. Cet être se nomme Ganondorf. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande de pillards pour s'emparer de ce... Voilà. Un but, une puissance démoniaque, il prend ce pouvoir magique de ce... Ça, j'arrive pas à lire.
mais cette même puissance causa sa perte. De la déproposition de ce lieu de rêve, je peux t'en dire. Cependant, les déesses ne sont pas sans amène ironie, il s'avéra que porter le pouvoir. Ah d'accord, c'est ça le truc enchaîné là. D'accord, il a été téléporté dans le truc des ombres. Et c'est ça la pierre enchaînée en fait, c'est pour... de haine et d'avidité qu'il portait en lui grava dans son âme une rancœur inextinguible. C'est sans doute lui qui a doté Xanto de ce pouvoir malfaisant. Si vous venez juste de comprendre d'où vient le pouvoir de Xanto, c'est bien trop tard. Le seul être ayant le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés dans de par Hyrule. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées. Un autre se cache dans une forêt antique. Et le dernier se trouve quelque part dans ces lieux. Des instruments de déesse, vous seuls avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais vous ne vous attendez pas à une victoire aisée car la magie imprégnant ces fragments est encore active. Donc, il y en a un aux montagnes enneigées. Donc ça, c'est pas compliqué à aller chercher. Il y en a un autre dans la forêt antique où on a trouvé Excalibur. Voilà. Et par contre, il y en a un autre quelque part. Bref, alors, on va déjà se téléporter, je pense, à la maison de Thelma. Je pense que ouais, on va se téléporter là. Pas le mieux, après. Regarde au cas où. Hein. Non, il n'y a pas l'air. Bon. Hop. Attention, on va bientôt la voir. Donc on va retourner à la maison de Thelma.
Normalement, son copain qui était parti observer le désert est revenu. Et par contre, la fille, là, avec des points d'H, voilà. Elle, normalement, si le jeu a bien suivi, si je joue avec Guy, bien sûr, après, ce serait un peu... Le voilà, monsieur. J'ai dit courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Carmé. Ah, il a inventé sûrement la dernière. Voilà. Maintenant, moi, je repars. A plus. Il a sûrement inventé la dernière truc de bombe. Parce qu'il y en avait encore une. J'ai pas fait tout. Alors, Saboum, j'espère que tu t'éclates tous les jours avec mes bombes. J'ai un nouveau modèle de bombe du genre exotique. Viens jeter un coup d'œil si tu passes dans le coin avec des rubis dans la poche. Il faut absolument que tu les essayes, car on est vendeur de bombes. C'est des bombes que je trouve plutôt utiles. Sauf que les hydrobombes sont encore plus utiles. En gros, j'irai acheter les bombes, c'est les bombes à insectes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Après, on va rendre une personne heureuse. Excusez-moi, pour la paix, réunion, on est heureux de vous demander le monde. Puisse l'argent de l'amour descendre de cieux, vous humine de sa lumière. Priez régulièrement la paix, le monde de moi. Voilà. Je suis généreux, j'ai donné 50 euros à s'appelle déjà un clochard. Donc, un SDF, voilà. Clochard, c'est pas bien. Bref. Bon. Je pense qu'on a le temps. Non, pas là. Ah, c'est bizarre. Tac, tac. Tac. Donc voilà. Hop, alors. Je veux pas. Bon. En ce moment, je dois avouer que je suis complètement fasciné par les légendes de Célestin. Tout le monde. Donc en fait, ils vont nous redire, voilà. Mais, faut à chaque fois regarder la carte. HS a seulement dit qu'elle était préoccupée par le pic des blancs et elle est partie. Pic blanc. Donc en gros, c'est là-haut qu'on doit aller. Donc près du village des Zora. Hein. Bon bah c'est parti. Quoi choisir, un plat viande comme début. Bon. Le mec a mis en mode dépression de un truc du mur parce qu'il se dit quoi choisir vite, faut que je choisis quoi, un plat viande, un plat de légumes, oh putain je sais pas malade hein. C'est un peu comme si on atterrissait dans Zelda Twilight Princess, c'est un peu la même chose. Voilà. Par contre, on va se retransformer en humain. On peut se transformer en humain d'abord ? Ah bon, si. Ah, on peut juste lui parler. Allez, on est tiré.
Ah bah oui, hein. On voit un loup tomber du ciel. Non, mais c'est pas important. Ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est normal. Mais par contre, se transformer... Non, 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 non. Là... Oh, on voit d'ici le château. Avant, je pense pas qu'on voyait, mais en fait, avec le losange maléfique qu'il a eu sur la... sur sa caboche, dessus, eh ben on le voit très très bien. Mais... Ouais, être gentil. Ouais, on est de la chaleur. Non, non, non. Tu fais quoi si une lanterne est allumée, je saute dans... Il arrange. Ouais. Alors, on va juste prendre les bottes. Alors, on va changer contre ça. Oh, si ça frappe mon cœur, je suis trop content. Oh, si c'est 50, je suis bien. Oh, voilà. Hein? J'ai donné 50 à... Ah si, putain, je voyais pas le truc de respiration. Non! Oh mon dieu, putain, il a presque plus rien de respiration. Et oui! Donc on prend un là-bas. Enfin, ils sont tous. Ouais, d'un seul coup, il faisait bon là-bas, et là, d'un seul coup, boum, il fait froid. Enfin, c'est joli, quoi. C'est pas, il fait bon, et là, il fait froid. Non, il fait beau, et là, c'est joli. Ah, c'est mis agent secret, ou alors j'ai froid. Oh putain, elle fait flipper comme ça. Ah mais oui. Voilà, en fait, elle a le... Ah, t'as vachement dégagé tes cheveux. Que viens-tu faire dans une région aussi dangereuse? Depuis que le village des auras a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les auras sont relatées une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici et effectivement, il est apparu. Il ressemblait un peu à cela. D'accord. Il semblerait qu'il vole les poissons rouges sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un plus, mais avec ce blizzard, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi tu es là parce que la montagne t'intrigue, mais je vais te déconseiller de t'y aventurer à moins d'être sûr de savoir où aller. Oh putain, j'ai sauté. Ok, alors je vais revenir voir le croquis. J'aurais voulu voir le croquis. Voyez, en fait, le truc qu'elle a sur son masque, c'était la visée de photo. Faut absolument que je la retrouve. Parce que ça, c'est tellement utile. On peut s'éclater à faire sniper avec... avec l'arc. On peut aussi s'éclater à voir hyper, hyper loin. Bon, on va juste... Moi je sais ce qu'il faut faire, ça je me rappelle. Il faut pêcher. Faut pêcher un Zora.
faut pêcher en fait avec un... Il faut pêcher en fait avec un... Un hameçon... Un hameçon... Qui... Comment... Regarde. Qui coule là quoi. Voilà qui coule là. Hein. Bon, je sais faut aller avec qui... En fait... Désolé. Oula, bah, mais on va s'arrêter. On fera ça dans le prochain épisode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.